Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Très heureux de vous retrouver pour une belle petite vidéo que j'ai eu énormément de mal à tourner. Je vous explique tout ça après. Bien entendu, les amis, avant toute chose, faut s'abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Vous êtes plus de 80% des personnes à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. On a eu un petit peu de baisse parce qu'on était à 85, là on est à 80%. Donc les amis, je compte sur vous pour faire baisser ça. Et je compte sur vous pour qu'on atteigne l'objectif des 10 000 abonnés qui sera le prochain, enfin qui est mon prochain palier personnel. Donc je compte énormément sur vous. Forcément, cette chaîne, elle vit grâce à vous. Vous avez des tutos sur cette chaîne sur un peu tout et n'importe quoi qui parle de Star Citizen en tout cas. Donc si vous voulez que ça continue très longtemps comme ça, faut forcément s'abonner les amis, ça me prouve que ça vous aide, s'il y a de l'intérêt à ce que je fais. Voilà. S'il vous plaît les amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Avec un petit like et le commentaire, pour faire plaisir, bien entendu, ça ferait plaisir. Donc, par la même occasion, les amis, on a le Discord de la corporation dans la description. Donc, le Discord de la corporation, il est ouvert quasiment à tout le monde, tous ceux qui ont le jeu et tous ceux qui n'ont pas de corporation et qui cherchera à rejoindre une corporation qui veut aller loin dans le verse de Star Citizen, qui veut avoir un territoire, qui veut aller en endgame, donc les bases stations, comme vous avez pu le voir. La station spatiale, c'est notre objectif final. Bien entendu, ce sera pas tout parce qu'il y aura d'autres choses qu'on devra mettre en place par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc, pour ceux qui ont envie de rejoindre une corporation qui a de l'ambition, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Que vous soyez nouveau vétéran du jeu, que vous soyez solo ou en groupe, on vous accueillera les bras ouverts. Bien entendu, on demande des gens sérieux, d'accord? Des gens qui sont capables de rester sérieux sur le long terme pour la corporation. C'est tout ce qu'on demande en règle principale. Le deuxième Discord, les amis, c'est le Discord communautaire, du coup. Le Discord où là, tout le monde peut le rejoindre. Peu importe que vous ayez une corpo, peu importe que vous jouez à d'autres jeux, peu importe, voilà. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, pardon, dans ce Discord. C'est un Discord communautaire, donc essayez de l'animer. Essayez de parler dans le général, essayez de discuter un peu avec tout le monde, essayez d'aller dans les bocaux. Voilà. Si vous voulez essayer de rencontrer du monde, même pourquoi pas créer des amitiés avec des gens qui seront déjà sur le Discord, ça m'est moi-même arrivé. Donc, n'hésitez pas, il est ouvert vraiment à tout le monde. Dernier petit truc les amis, le code de parrainage, pardon, pour créer, quand vous créez un compte sur RSI, vous pouvez mettre un code de parrainage, donc mon code de parrainage est dans la description. Je compte sur vous pour le mettre pour tous les nouveaux comptes qui arrivent sur Star Citizen, tout simplement parce que ça vous fait gagner 5 000 AUEC et moi ça m'aide à développer mon compte RSI, à atteindre des objectifs pour la corpo, entre guillemets, aussi par la même occasion. Donc, si vous le faites, un grand merci à vous, bien entendu. Tout ça sera, vous serez remercié en temps et en heure de ce que vous faites sur la chaîne YouTube ou même sur le code parrainage. Donc, les amis, on se retrouve, peut-être que vous connaissez un peu, c'est quoi cet endroit? C'est SMO 18. Donc, à savoir qu'on a eu, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais on a eu quelques gros problèmes ces derniers temps sur Star Citizen avec les serveurs. Voilà, enfin, c'est un secret pour personne. Il y a eu énormément de bugs serveurs, des crashs, des ci, des ça. Donc forcément, les vidéos comme ça étaient un peu compliquées. Là, ça va mieux. Moi, sans vous cacher, j'ai essayé de le faire 2-3 fois cette vidéo. Voilà, pour vous. Mais du coup, de 14-15 millions, je suis passé à 700 000. Et encore, je sais pas ce que j'ai le FreeWart qui m'a passé un petit peu de moulaga. Mais donc, ouais, c'est juste pour vous dire que les serveurs vont un petit peu mieux, je dis pas que c'est le top du top. Hein. Là par exemple, je suis sur un serveur où je suis tout seul, je crois. Donc c'est plutôt. Ah, ah, si, si, si. Si, si, je suis tout seul, je crois. Hein. Je vais remonter en haut. Je suis tout seul. Donc là, quand vous voyez ça, c'est-à-dire qu'ils ont quitté qu'ils sont plus sur le serveur. Mais on était deux tout à l'heure avec Artie. Et là, du coup, on se retrouve tout seul pour faire notre petite mission. Donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire, les amis. Du coup, nous, on se retrouve sur SMO 18 à Microtech. Pour du gold, donc forcément il y a deux endroits pour avoir du gold dans le verse actuellement dans Stanton. Donc il y a un endroit sur Daymar. Hop. Je vais quand même vous le montrer. Je vais essayer du moins parce que. Hop. Crusader. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a mis comme ça. Sur Daymar. Hop. Et du coup vous en avez un. C'est le. C'est un SMO, il me semble aussi, hein, si je me trompe pas. J'arrive pas à le trouver. C'est peut-être que je suis une SD1. Ouais, je crois que c'est le SD1. Si je ne m'abuse.
En tout cas, voilà, sinon on démarre, mais pour moi c'est Chubin SD1. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé que je pourrais pas vous dire. Donc les amis, quand vous arrivez, bien entendu, quand vous posez, vous mettez votre vaisseau en fonction que vous puissiez choper les frais d'élévateur. Donc vous venez ici, donc moi, bien entendu, prévoyant comme je suis, j'avais déjà tout prévu ici. Voilà, j'ai 494 SCU. Là, il y a 220 SCU encore de dispo. Donc, l'or, ça rapporte pas mal. Hein, je dis pas que vous allez vous faire des couilles en or comme à l'ancienne, mais en tout cas, voilà, vous gagnez quasiment 2500 par SCU vendu. Donc, si vous avez un gros vaisseau, tant mieux. Moi, j'ai décidé de prendre le Freelancer Max parce que, tout simplement, là, on va avoir plein de petites caisses, plein de petites caisses. Le truc, c'est pas que ça me dérange de faire les petites caisses ou des grosses caisses. Le truc, c'est que vu que je sais que j'ai déjà eu des gros problèmes avec le C2 ici, j'évite de prendre le C2. Et en plus, par la même occasion, je me prépare pour la 4.0. La 4.0 qui est censée avoir un full reset. Et vu que moi j'ai pledge le Freelancer Max, je m'entraîne directement avec le Freelancer Max à pouvoir faire des petites sorties comme je vais faire actuellement. Du coup on va hop. Et on en max là? Non. Normalement, on peut en mettre plus, hein. On va pidouiller, là. Oui, peut-être que vu que c'est des petits trucs, on va essayer de remonter, on va voir. Donc forcément, moi, j'ai pris mon copain de toujours. Alors, sans armure, sans rien, les amis, vous, évitez. Évitez, d'accord. Moi, je le fais parce que je suis un goldbut. Et je suis tout seul sur le serveur. Mais vous, évitez les amis de vous retrouver à Welp comme ça dans chercher du gold parce que forcément bon là il pourra pas vous tirer dessus ici mais il pourra faire pas mal de choses avec vous en tout cas. Et quand je dis ça, c'est pas que au sens littéraire. Il pourra vous tuer, voler votre vaisseau et votre cargaison. Donc à éviter au plus haut point. Pendant qu'on y est les amis, donc moi ce que je vais faire c'est que je suis chargé un petit peu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir un peu juste quand je charge. Bien entendu. Hop. Je vais charger aussi cette zone. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc. Hop. Normalement. Vous pouvez. Ah, non, attends. C'est vrai que si celle-là a un bloc, ça va être compliqué. Par hasard, je peux pas l'enlever. Bon, écoutez, les amis, ce que je vais faire, c'est que moi, je vous reprends dès que j'ai chargé le vaisseau. Bon, les amis, je vous reprends à avoir chargé à bloc le vaisseau. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une soupe qui est pas utilisable. Là, c'est bugué, j'avais complètement zappé. J'espère que c'est pas bugué du côté dans c'est bon. Du coup, là aussi, c'est rempli. Bon, même si là, c'est pas grand chose, hein, c'est que dalle. Donc, comme vous pouvez le voir, il est blindé à max. Et il me reste encore 374 SCU d'or à venir chercher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le vendre au plus offrant, forcément. Il me semble que c'est hardcore. Donc, écoutez, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement quand j'arrive sur Zone. A tout de suite. Bon, voici Hardcore, les amis. Donc, nous sommes au Trade Division, Développement Division, pardon. J'ai eu un petit freeze, mentalement, bien entendu. Du coup, dès qu'on arrive sur la zone, on choisit un emplacement au hasard. Demande actuelle, donc on a du gold, donc on met le max. Donc là, pour à peine 120 SCU, ça va faire 204 000. À savoir que moi, vu que je les ai achetés il y a longtemps, je suis dans mon truc. Donc, alors, à savoir, est-ce que chargement automatique de la cargaison, ça me coûterait 4 000? Donc, ça me ferait
Voilà, 899 000. Est-ce qu'on prend? Allez, honnêtement, on va le faire parce qu'on connaît tout comment décharger le vaisseau. Et pour 4000, tout décharger, franchement, on est en bonne pointure. Donc, traitement de la demande. Donc, là, du coup, il faut que j'attende 3 minutes. Et normalement, d'ici 3 minutes, mon vaisseau sera déchargé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre 3 minutes ici. Je vous dis à tout de suite. Bon, les amis, du coup, on se retrouve après les quelques minutes qui sont déroulées. Avant que je vous montre ce qui s'est passé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est ultra important. Je tiens à vous rappeler que c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. C'est grâce à vous qu'on en est aussi loin, c'est grâce à vous qu'on a atteint le 1000 d'abonnés. Je tiens aussi à rappeler qu'il y aura un giveaway soon pour vous remercier de tout ça. Début novembre, normalement, il y a un logiciel qui est en train d'être développé expressément pour cette occasion. Enfin, il y en aura d'autres, bien entendu. Si on passe les paliers, petit à petit, il y aura plusieurs giveaways. Mais vu que celui-là, c'est l'un des plus gros qu'il y aura, entre 50 et 100 euros de giveaway pour Star Citizen, donc que ce soit le Starter Pack ou des skins. Bien entendu, je ne mettrai pas 50 euros de skins, les amis, calmons-nous. Mais en tout cas, pas loin, quoi. Voilà. Donc, c'est 50 euros pour ceux qui ont un Starter Pack, qui veulent un Starter Pack. Et des skins, après, on verra avec la personne qui sera tirée au sort. Donc voilà, rien que pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, rejoindre le Discord communautaire pour être éligible, lâcher un petit commentaire dessous la vidéo des giveaways des 1000 abonnés, comme ça vous serez tout simplement éligible. Et voilà, c'est tout simplement pour vous remercier de vous être abonné en masse à la chaîne YouTube. Donc continuez les amis, continuez, rien que pour le plaisir de voir mes vidéos ou même pour de prochains giveaways, parce que je compte vous faire profiter pas mal de giveaways sur la chaîne si on avance bien en termes d'abonnés. Donc c'est à vous de voir les amis, c'est à vous de gérer. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et nous voici pour vous montrer que... Du coup, bah, j'ai les 900 000 des brouettes, donc je suis remonté largement au-dessus de la barre. Donc moi, ce que je vais faire en parallèle de vous sortir cette vidéo, bah, je vais bien entendu faire d'autres voyages pour du gold, parce que ça marche assez bien du coup. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, selon quand vous regardez ça. On n'oublie toujours pas de s'abonner, lâcher un petit like, partager la chaîne YouTube, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.